Okay. Je pense que c'est un moment très tendu et très dangereux, parce que le moindre faux pas ou accident pourrait déclencher un conflit militaire ou la guerre sur la péninsule coréenne. Ce pourrait être un coup de bluff du côté de la Corée du Nord. Elle veut prétendre qu'elle est puissante, qu'elle maîtrise pleinement ce type de technologie nucléaire. Mais on ne peut pas savoir. C'est très difficile à dire. Je pense que nous avons des raisons d'être inquiets quant à savoir si elle veut aller plus loin. Si vous voulez entraîner un changement de comportement du côté de la Corée du Nord, la diplomatie est un outil qui doit être employé. Mais en ce moment, les Américains ne semblent pas intéressés par la moindre initiative diplomatique.